أعزائي التلاميذ السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي خصص لأول حصة ديال القراءة المتعلقة بأنتيكو إذا اللي تنطلب منكم هو تابعوا كل ما أنشر لأنه مدرس بعناية حتى تتألقون وتتفوقون في مادة اللغة الفرنسية لليقين بأن كل ما أنشره سيجعل منكم تلاميذ آخرين تلاميذ متألقين تلاميذ متفوقين إذا اليوم بيان سور غنديرو لا ليكتور ديال لو Et bien sûr, au cours de cette lecture, on va expliquer, on va analyser, on va nous arrêter sur chaque détail. Alors, donc le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est le prologue. Donc ça va de la page 9 à la page 13. Le texte que nous allons voir est extrait de Antigone. Donc ce passage est extrait d'Antigone. Qu'est-ce que c'est qu'Antigone? C'est une pièce théâtrale écrite par Jean Anouilh qui est un dramaturge français du XXe siècle. Alors, le texte que nous allons voir se situe au début de l'œuvre. Alors, donc, ce passage se trouve, se situe au début de l'œuvre. Et euh, quand on était en train d'étudier le roman ou la, la nouvelle, on parle de l'incipit. Ce n'est pas un insipide, c'est l'exposition. L'arbiya ou l'art. Elle joue mais l'exposition. Bien sûr, la première chose à laquelle on doit penser, c'est le genre. Qu'est-ce qui montre que c'est un texte théâtral Et bien sûr, le type. De quel type de texte s'agit-il? Alors pour le genre, on peut voir déjà qu'il y a euh, des indices qui nous permettent de euh, le classer euh, en tant que euh, pièce théâtrale. D'abord, a bien sûr, le euh, euh, la Didaskali. Alors, le premier paragraphe, "C'est Titzma une Didaskali. Ou là, une indication scénique. Donc, c'est une indication scénique. Ou là, une didascalie. Je rappelle quelque chose que vous devez connaître. La didascalie est une phrase descriptive de tout ce qui n'est pas verbal. Donc, la didascalie, y a une les gestes, les habits, les galouches, Donc, on a un décor neutre, trois portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont sur scène, ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Donc, on a le premier paragraphe, c'est un, une didascalie. Et est-ce qu'elle est suffisante pour dire que c'est le théâtre? Là, il y a d'autres indices. Il y a tout un champ lexical du théâtre. Alors, ces personnes vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Elle a le nom d'Antigone aussi. Alors, le nom d'Antigone évoque une pièce de théâtre que les gens connaissent déjà. Donc, nous sommes bel et bien devant un texte théâtre. Je vous demande le genre, le type. De quel type de texte s'agit-il? Donc, voilà ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, Antigone c'est la petite maigre. Alors, dès le début, on voit que euh, Hed, le prologue qui parle, va nous présenter les personnages qui sont déjà sur scène. Donc, s'il présente les personnages sur scène, donc il va donner des informations sur ces personnages. Et donc, c'est un texte informatif. C'est un texte informatif car il nous donne des informations sur chaque personnage. Nous la dit un décor neutre. décor neutre ça demande une réflexion. Qu'est-ce neutre Neutre tu neutre simple, basique. Well, a un décor neutre Alors, décor neutre peut être lu de deux façons différentes. Neutre, il yani simple, ou neutre, il impartial. a ni impartial, donc mouhaï. Un donc, décor, un décor neutre. Alors, sans aucune référence au temps. Donc là, je l'ai dit, un décor neutre, il y a une référence à l'époque ou là au temps le décor La deuxième explication, un décor neutre, simple, basse, c'est bien sûr la scène se passe dans un palais royal. Et dans un palais royal, il y a beaucoup de, de tableaux de peinture, de plâtre, de beaucoup de belles choses. Et on a évité tout cela pour permettre au spectateur de se concentrer sur les actions sur scène. Donc, à deux lectures, l'indique neutre. Alors, trois portes semblables. Trois portes qui se ressemblent. Alors, au théâtre, rien n'est gratuit. Donc, chaque objet est choisi avec une grande euh, Bien sûr, avec une grande attention. Il y en a trois portes semblables, et chaque porte va conduire quelque part. On va bien sûr découvrir ça au fur et à mesure que la pièce commence. Au lever du rideau, tous les personnages sont sur scène, donc c'est euh, ce n'est pas habituel. Donc, les personnages entrent l'un après l'autre, mais il y en a qui sont sur scène. Il bavarde, tricote, joue aux cartes, le prologue se détache et s'avance. Alors, si on essaie de nous situer dans l'époque où cette pièce a été écrite, 1942. Alors, imaginez, vous avez payé un ticket, vous êtes entré dans un théâtre pour voir antigone, antigone. ils connaissent bien sûr antigone en tant que mythe et en tant que euh, pièce théâtrale de sofokle. dès l'ouverture, ou la, le lever du rideau, le spectateur va découvrir quelque chose de choquant. donc il a bon avoué. La réaction du public, du spectateur, du motafarij, du le choc, le s'adma. Pourquoi le spectateur est choqué Parce que sur scène, il voit des choses inhabituelles. les choses inhabituelles Premièrement, on a tous les personnages sont sur scène. Deuxièmement, il y a des personnages qui ne sont pas nobles sur scène. bien sûr, les gardes, la nourrice. Donc, il y a des personnages qui ne sont pas nobles sur scène. Et troisièmement, vous avez, bien sûr, des actions. Que le spectateur n'a pas l'habitude de voir dans la tragédie en général, les yabavardés, tricotés, joués aux cartes. Donc, en plus de cela, on peut découvrir que cette pièce mélange deux époques. L'histoire, elle est ancienne, donc c'est l'époque ancienne, ou bien sûr l'époque moderne. Alors, rien qu'à partir du tableau de la scène, le spectateur découvre qu'il y a un mélange de deux époques différentes. Mdjiha, qui est l'époque ancienne, la Grèce antique, ou Mdjiha, qui est l'époque moderne, parce qu'il y a des anachronismes comme les cartes, mais maintenant, les cartes, c'est moderne, c'est clair. Donc, il y a des objets, des anachronismes qui permettent de rattacher l'histoire au contexte actuel, et est le e siècle. Donc, le spectateur, il est choqué par ce qu'il voit sur scène, et la pièce n'a pas encore commencé. Adra dit, bien sûr, le prologue se détache et s'avance. qui veut se détache Se détache, c'est-à-dire, il se sépare. Yen facel, les personnages. les personnages et de s'avance. Pourquoi est-ce qu'il se détache et il s'avance C'est pour se mettre entre les spectateurs et les personnages. Mais il va s'adresser à qui Est-ce qu'il va s'adresser aux spectateurs ou là aux personnages Bien sûr que euh, il regarde les spectateurs, donc il s'adresse et au spectateur et ce qui le montre bien sûr nous allons voir tout à l'heure c'est le pronom personnel vous ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone voilà Donc, voilà il est très importante dans Antigone dans la mesure où c'est un mot qui va réclamer le silence dans la scène, surtout après le chahut causé par le choc du spectateur qui a commencé à se poser des questions. Donc, il va lire Voilà Alors, c'est comme s'il dit Messieurs, attention Alors, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Regardez, c'est très intelligent. Alors, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone, donc c'est pas Antigone, c'est Antigone, mais ils vont jouer l'histoire d'Antigone. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. On peut comprendre une chose, c'est qu'il s'agit d'un avertissement lancé au spectateur. Qu'est-ce qu'un avertissement un avertissement pourquoi justement a-t-il commencé par lancer cet avertissement C'est pour demander au spectateur de ne pas vivre la pièce, de ne pas vivre l'histoire, mais de se concentrer sur les actions sur scène. Donc, le théâtre de jean Anouilh n'est pas un théâtre à vivre, c'est un théâtre d'idées. On ne peut pas comprendre les idées ou on ne peut pas comprendre les choses qui se sur le cœur. Donc, pourquoi Parce que l'identification tue la réflexion. L'identification tue l'esprit. Donc, l'insan, il ne veut Emma et justement ces personnes avant vous jouer l'histoire d'antigone c'est une manière de briser l'identification du spectateur et on lui demande de rester à sa place et de faire attention à ce qui se dit et à ce qui se fait sur scène antigone c'est la petite maigre regardez, on commence par le portrait physique et moral de chaque personnage et euh, c'est pas seulement le portrait physique et moral c'est la petite maigre qui est assise là-bas donc petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien elle regarde droit devant elle elle regarde droit devant elle donc, c'est une fille têtue, obstinée, entêtée. Elle regarde droit devant elle, elle pense, elle pense, regardez de la répétition, elle pense, elle pense. C'est une insistance sur le fait qu'Antigone est une fille pensive et que le poids du devoir pèse sur elle. Qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Elle va être Antigone tout à l'heure. Si Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, Noiron. Alors, Noiron est un Ismramza, renfermé, mon raléka. Il va surgir soudain de la maigre jeune fille noire et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Personne ne prenait au sérieux dans la famille. Antigone est une fille marginalisée. Je dis marginalisée, il y a. Et tout le monde croit qu'elle est folle. Tout le monde croit que Antigone est une folle. Et se dresser seul en face du monde. Alors, se dresser. Je se dresser. Alors, se mettre ou la s'opposer. Se dresser seul. La répétition d'elle seule. Donc, l'insistance sur sa solitude, donc c'est un personnage solitaire. Alors c'est dressé seul en face du monde. En ira-toi, j'ai à se révolter. Seul en face du monde de Créon, son oncle qui est le roi. Donc Créon, c'est le roi d'Antigone, c'est le roi de Thèbes. Elle pense qu'elle va mourir. Donc là, là le futur. Donc le prologue ne présente pas seulement les personnages euh, actuellement, mais il va jusqu'à euh, évoquer leur passé et annoncer leur avenir. Donc elle a différents temps. Il y a des temps qui réfèrent au présent, il y a des temps qui réfèrent au futur, et il y a des temps qui réfèrent au passé. Donc elle pense qu'elle va mourir, donc ça, les, le futur proche, elle va mourir. Donc elle va mourir. On connaît déjà on connaît déjà le dénouement de la pièce je qu'elle qu est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre elle aurait bien aimé vivre ça veut dire la fatalité qui veut la fatalité et n'a pas le choix voilà personne ne choisit son destin mais il n'y a rien à faire personne ne peut changer son destin elle s'appelle Antigone il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout voilà, donc elle a un rôle donc elle a le rôle d'un le champ lexical le théâtre donc vous avez a joué un personnage jusqu'au bout donc elle a le thème de la fatalité qui est le thème de Le devoir. Et donc, le, le, le prologue annonce déjà les thèmes que nous allons rencontrer dans l'œuvre. Et puis, Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène. » Elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse. Je n'ai une vitesse vertigineuse, il y a une vitesse très grande

Antigone a la première différence. Shna Antigone elle les silencieuse. Chna Antigone euh, Ismène, Bavarde ou Rie. avec un jeune homme de nous tous qui sont bien tranquilles à la regarder de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Euh, de nous Chna nous nous ça remplace le prologue et le spectateur donc il se considère beaucoup plus comme un spectateur que comme un personnage. d'ailleurs le prologue n'est pas un personnage de la pièce donc le prologue n'est pas un personnage de la pièce ou on a justement ti bien haut c'est un spectateur De nous qui sommes bien tranquilles à la regarder de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme, je connais le jeune homme, le jeune homme ou Ayman. Le jeune homme avec qui parle la blonde, donc Ismaël, et les blondes, Zara, Belle. ou heureuse. la blonde, la belle, l'heureuse la, Ismaël, c'est Ayman. Je connais Ayman. Le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Donc là de manière, euh, Ismen est en train de bavarder et de rire avec un jeune homme. Je connais le jeune homme. C'est un, le fiancé d'Antigone. 2. il est le fils de Créon. Le Wult est le Créon. Tout le portait vers Ismène. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismen est bien plus joli qu'Antigone. Ismen et Ismen Ismen sans goût de la danse donc des jeux là alors sans goût du bonheur et de la réussite sa sensualité aussi sensualité ça veut dire quelqu'un qui est sensuel c'est quelqu'un qui aime les plaisirs sens et puis un soir donc regardez les indications temporelles maintenant, demain, un soir. Et puis un soir, un soir de bal, le bal ou la danse, Leila où il n'avait dansé qu'avec Ismaël. Un soir où Ismaël avait été éblouissant dans sa nouvelle robe, l'absence de logique, on construit une logique, et donc, Là, c'est le thème de l'absurde. Le non-sens. Et puis un soir, un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismaël. Un soir où Ismaël avait été éblouissant dans sa nouvelle robe. Donc, Ismaël a été éblouissant dans sa pas robe. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin comme en ce moment. Donc c'est une comparaison. Ses bras entourant ses genoux et lui a demandé d'être sa femme. Par de Donc le comportement de Hémon est inexplicable. Il a passé toute la soirée à danser et à s'amuser avec Ismaël. Bentley Antigone, Jar, Lesh et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit avec un petit sourire triste. Donc un sourire triste, c'est une c'est un oxymore. Alors, sourire, euh, 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 Antigone a, Antigon a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et il lui a dit oui, est-ce qu'elle a refusé leur blood? Et il lui a dit oui, Gatlin, a -wa, khamah, khamah. avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. L'art de oh, en est ouverte. Il est quand Antigone, euh, renfermé. en Ismaël ouverte au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant. Donc, une autre indication de temps. Lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigon sur sa terre et que ce titre princier lui donnait le droit, seulement le droit de mourir. Donc là, justement, le, euh, narrateur, le narrateur, le prologue, ici il joue le rôle du narrateur, donc le prologue annonce l'avenir de Emo à

même dit près de cent pages, a le page bien sûr, ouarde le petit garçon, sert au service du roi, c'est créant c'est le roi. il adhérit, en cas au jour, donc il est âgé, il est fatigué. justement, où est fatigué physiquement, ou moralement? Il est fatigué physiquement et moralement. Alors, fatigué moralement parce que le métier de roi pèse sur lui. On va le voir tout de suite. Donc, il a des rides et il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Alors, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant. Donc une une rétrospection, un genre le passé crayon avant du temps de dip quand il n'était que le premier personnage de la cour. Donc Il aimait la musique, les belles. Relieurs, les relieurs romains le musulmains datent de malcouteau Les langues flânerie chez les petits antiquaires de thèmes. Les antiquaires, romains, vous vous le direz, bégoude avec les choses. Al-Balie, l'ancienne. Ça veut dire que le passé de aimant et de crayon était un passé romantique. Ilsanne, rêve, calage, rêveur. Mais, mais, Eudipécifie va. va constituer une rupture entre le passé et le présent de Créa. En tout cas, il y a un peu de temps, mais de Il a laissé ses livres, ses objets il a retroussé ses manches il a pris leur place ça coule bien sûr il a retroussé ses manches, il a gaffé le camaïeu et il a commis quelquefois le soir il est fatigué il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes oui malik, les sous-lieutenants si cela n'est pas un office sordide, un office sordide, office, un travail sordide, il y a des mauvais, qu'on doit laisser à d'autres plus frustes, qu'on doit laisser à d'autres plus frustes, plus frustes, il y méchants. Et puis... Au matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Non, à la comparaison, les fragras dévalorisantes, elle est dévalorisante, parce que Créant n'aime pas le métier de roi. Donc Créant n'aime pas ce métier. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites. C'est de la vieille dame. Ou alors, c'est de la vieille dame qui tricote à côté de la nourrice. Je connais la nourrice, il y a le mot à dire. Donc, la nourrice, il y a le mot à dire, il y a Antigone ou bien y a Ismaël. À côté de la nourrice qui a élevé, il y a élevé, il y a Arbat. Les deux petites, je connais Antigone et Ismaël, c'est Eurydice. Je connais Eurydice. Donc, attention, il y a un juge. La vieille dame, ou la nourrice, c'est Eurydice. La vieille dame qui tricote, c'est Eurydice. C'est la femme de crayon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Maintenant, justement, on retrouve encore une fois le thème de l'absurde

le destin of d'El Éridius, à Elle est bonne, insana taiva, digne, et aimante. Te Ce qu'on a dit, c'est Elle est bonne, digne, aimante. Et de lui est donc un secours. Je connais de lui. Ma crayon, mais, ne mais Elle ne lui est donc un secours. et Antigone. Antigone est seul, crayon est seul. Donc, elle a la solitude, le thème de la solitude. Seul, là, y a la répétition, avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Le page, Alors, crayon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon. On a le garçon là-bas qui rêve adossé au mur, adossé donc, à l'île solitaire, c'est le messager. Je le messager. Alors, le messager, c'est un rôle, mais un prénom. Alors, le messager est celui qui doit apporter l'information de la mort d'un personnage. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aymon tout à l'heure. Donc, l'Ahdmaya viendra. C'est le futur. Donc, c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin. Les trois hommes rougeaux, alors rougeaux, il y a m'sandengin, hamarin, les parce parce qu'ils sont toujours ivres, Damon Skelanin, m'sandengin, les noms Damon Skelanin, qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Donc, les trois hommes, on va, les gardes, le haras. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Natal Kavad, le mot « les bougre. Bougre, c'est la langue familière. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on découvre Donc le spectateur découvre au fur et à mesure que la pièce continue, que la langue utilisée dans cette pièce est tout simplement courante et familière, mais qui que la langue soutenue. Donc ce ne sont pas de mauvais bouges. Bougre ne c'est personne. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront. Empoigner, il y a arrêté par le poignet. Ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail. L'ail, il y a Thomas. Thomas. فيهم ريحة الكوير الجلد وفيهم ريحة فان روج يعني تبارك الله روح زوينين دونك هنا بغينا كاملين غي غي يعني مقرفين فيهم ريحة خانزة خنزين دونك تتكتب غي بحال هكا non donc ils sont répugnants ils sont dépourvus de toute imagination alors être dépourvu de quelque chose c'est être sans cette chose là ou la ne pas avoir ils n'ont pas d'imagination ce sont les auxiliaires toujours innocents et satisfaits d'eux-mêmes de la justice, les auxiliaires et Moussaidine. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef du Mans mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de crayon. Donc Romain, qui sert de crayon, la justice. Et maintenant que vous les connaissez tous, donc on a terminé la présentation des personnages on doit rappeler certains événements pour bien comprendre la pièce. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, je connais et, et Polynice, deux, deux garçons, qui devaient régner sur Thème un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sur, sous les murs de la ville. Éthioque, l'aîné, au terme de la première année du pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. Donc, là, justement, euh, le euh, prologue nous met dans le contexte de, du mythe d'Oedipe. Alors, Mlimet, Oedipe, qui est en Éthioque ou en Polynèse, et qui est الوغ ملي جلسو معاهم داكشي تفاوضو وصلوا لواحد النتيجة شنو هي النتيجة ان كل واحد غادي يحكم البلاد عام ويدوز الحكم لخوه الو بحكم ان ايتيوك كان هو الكبير اذا ولا هو الملك الاول ايتيوك كان هو الملك الاول ولكن بسال العام ما قبلش بيان سور يدوز الحكم لخوه وغادي تنوض Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthiocles et Polynices, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués, entretués sous les murs de la ville. Éthiocles l'aîné au terme de sa première année de pouvoir ayant refusé de céder la place à son frère. Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les sept portes de terre. Polynice a le les princes étrangers. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis, de la figure de style, les deux frères ennemis, c'est un oxymore. On va un oxymore. On va faire un oxymore. On va faire Et créant le roi a ordonné qu'à Éthiocle, le bon frère, Éthiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Alors, d'imposantes funérailles, les funérailles, c'est yani oxymore. ملي ولا ملك عطى الامر باش يداو مراسم دفن كبيره تتليق بمقام ديالك اتيوكل كمالك مي كو بوليديس شكون هاد بوليديس هو خو اتيوك الا واش من عوت نعتناه بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون لا نيجاتيفمون لو فوريا اللي ما ديس ودا حاجه لو ريفولتي ا لو فويو شمكار ولا Atfal euh, Shavrei euh, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Qui veut sans pleurs et sans euh, sépulture, donc écrasant. Mais ou Serait laissé sans pleurs et sans sépulture, donc sépulture volontairement. La proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Alors, bien sûr, je vais vous dire que de peut-être le jour un Ou bien, Parce que c'est une phrase qui mérite notre attention. Cette la phrase de la C'est la phrase de la loi de Crayon. Le canon d'iel Crayon. Quiconque osera lui. Je connais de lui. Paulinis rendre les devoirs funèbres, ouajibat defen, ou, 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 ou jibat, la aza ou, ou sera impitoyablement puni demain. mort. Donc, Adna, la loi de Crayon, tet le crime, ou tet le châtiment. Alors, le crime, ou le châtiment, و هو العقاب الو اشنو هو لو هو العقاب هنا العقاب هو الموت هو الإعدام يعني غادي نعدمو أي واحد اشنو دار دفن بولينيز الجريمة هي دفن بولينيز إذا هاد لوا دو كرايون حدد الجريمة هي محاولة دفن بولينيز Ou le châtiment, les hua, euh, bien sûr, la mort. Voilà. Je ne deux textes. Qu'est-ce qu'on doit retenir C'est un petit bilan. Ce passage est extrait de la pièce théâtrale intitulée Antigone de Jean Anouilh, écrite en 1940. Il se situe au début de la pièce, la scène d'exposition. Dès l'ouverture du rideau le spectateur est choqué de constater que cette pièce est différente de celle qu'il connaissait celle-ci mélange époque moderne et l'antiquité grecque elle y a de la pièce s'écarte de la tragédie classique par où elle est dans les anachronismes est une des anachronismes les cartes les personnages sur scène qui ne sont pas tous nobles. Donc, sur scène, il y a des personnages qui ne sont pas nobles. Les actions de la vie quotidienne. a des actions de la vie quotidienne va avoir des tricotés joués au quatre. Alors, le décor est neutre, simple pour permettre au spectateur de se concentrer sur les actions sur scène détacher le bit de son contexte historique pour l'adapter à l'époque moderne. Le prologue qui n'est pas un personnage de la pièce présente les personnages sur scène au spectateur en narrateur omniscient qui sait tout. Il décrit les personnages, relate leur passé et annonce leur avenir. La dernière phrase. Le prologue qui n'est pas un personnage de la pièce présente les personnages sur scène aux spectateurs en narrateur omniscient il donc omniscient c'est-à-dire qui sait tout il décrit les personnages relate leur passé et annonce leur avenir voilà c'était la fin de la séance de lecture merci de votre attention et je vous demande de vous abonner

تلاميذ متألقين إن شاء الله